maman, oh. Maman, 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 réveille-toi, réveille-toi, maman. Oh mon Dieu. Réveille-toi. Hé, hey, maman. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, maman, tu ne vas pas y croire. J'ai retourné à la maison, oh. Quand Dozé m'a approché, il m'a remis cette enveloppe en disant que ce frère Ifani... Ah, tu dis vrai? Tu voyais ça, oh, oui, maman. Hé, hey. Ma fille, hey. Est-ce que maman. C'est vrai? Oui, oh, maman. Allez, donne-moi oui. ça. Tu n'es qu'un né, oh. Oui. Hé. Hé, maman. Maman, ça c'est dollars. 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 Les dollars, ma maman. Fille, je t'avais dit que mon fils réussira. Hey, regarde hey, ça. Maman, hey. Regarde ici. Oh, il y a quoi d'autre? Hé, hey, cette lettre, ça peut être pour ton non, père. Non, maman, donne-moi celui-ci, maman. Hé, hey, maman, maman. Hey. Maman, nous hey. Sommes riches. Exactement. Nous sommes riches, maman. Donne-le-moi d'abord, ok? Maman, ça c'est 10 millions de dollars. Avec ceci, nous pouvons acheter les villages entiers, oh, maman. Maman, nous sommes es-tu riches. Es-tu sérieuse? Hey. 10 millions? 10 millions de dollars. Hey. Pas de Naira, oh. Des dollars. Jésus-Christ. Hey, maman de maman. Maman de maman. Tu sais quoi? Ma démarche va changer. Je ne veux plus marcher normalement. Je te crois. Hé! Nous sommes riches. On est que... On est que... On est que... Oh, boula maman. On est que... Je savais que mon fils y arrivera. Maman, oui. Oh. Hey. Je le confirme. Finissons vite avec le chevet. Hey, Chimo! Tu connais Yao? Hey, tu n'es que moi! Hé hé hé! Oh, oh maman! On y est que! Oh, boulot maman! On y est que! Oh, boulot maman! On y est que! Oh, boulot maman! On y est que! D'autres personnes sont jalouses de moi! D'autres personnes sont jalouses de moi! D'autres personnes sont jalouses de moi. D'autres personnes sont jalouses de moi. Je ne ferai pas attention à eux. Je ne ferai pas attention à eux. Je ne ferai pas attention à eux. La jalousie va les tuer. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maman, nous sommes riches. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Tapez, tapez, tapez. Ma fille. Tu dois me donner cet argent maintenant. Je ne te donnerai pas cet argent. Jamais. Et n'oublie pas, je suis le chef de cette famille. Ne l'oublie pas. On ne doute pas de ça. Tout le monde sait que tu es le responsable de cette famille. Le village tout entier le sait très bien que tu es le responsable de cette famille. Mais cet argent, je ne te le donnerai pas. Même si ça appartient à mon fils? Oui, il est bien ton fils. Mais tu l'avais maudit. Que rien de bon arrivera dans sa vie. Tu l'avais fait. Non, je ne l'avais pas maudit. Ce n'était pas une malédiction. Je voulais seulement qu'il change de cette vie destructive qu'il menait. Attends une seconde. Pourquoi est-ce que je me justifie devant toi? Mais cette lettre a été écrite par moi. Oui. La lettre a été écrite par ton nom. Mais l'argent a été envoyé par mon nom. Alors garde la lettre et moi je garderai l'argent. Messieurs, merci beaucoup, messieurs. Que Dieu te bénisse, messieurs. Hé, hey, les femmes. Et c'est wine. Et c'est ok. Par l'amour de Dieu, laisse-moi tranquille. Je ne te donnerai pas cet argent. Messieurs, que Dieu te bénisse. N'importe quoi. Toute cette dispute, c'est à propos de l'argent. N'importe quoi. Écoute, tu n'es pas du tout content de toi. Exact, parce que tu m'évitais. C'est pas juste. Mon amour, mais ce n'est pas vrai. Si, bien sûr. Ok, je suis désolée. J'avais quelques problèmes familiaux à régler à la maison. Problème de famille? Et tu ne m'as rien dit? Mais tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi, ou bien tu as oublié? Je sais. La chose est que je voulais justement pas te déranger, mais c'est quelque chose que je vais bien régler. Alors, je voulais te laisser en dehors de ça. Mais c'est pas grave, je te dirai prochainement. Comme pour le moment, okay. Je ne veux plus du tout me stresser, ok? Es-tu sûre? Bien sûr que oui! Es-tu sûre? Oui, j'en suis certaine. D'accord. Ah, je ne sais vraiment pas ce qu'on fait. Pourquoi regardes-tu partout? Qu'est-ce qui ne va pas? On ne peut pas faire ça maintenant, on est en pleine route. Mais tous les villageois savent que tu es mon bébé. Hein? Arrête de dire ça. Non. Alors, dis-moi, comment va maman? Ah, maman va bien.
Il y a juste qu'elle se plaint du fait que tu ne viens plus la rendre visite, alors. Oh, je sais que je lui manque en cet instant. Exact, bien sûr, tu l'as beaucoup manqué, mais tu m'as manqué le plus. Ok, exact. Mais on ne s'est pas vu, ça fait que 2 jours. Et ça ressemblait à une éternité. Voyons. Oh non, arrête de faire ça, c'est pas de ma faute, mon corps est en train de me... okay. Ok, honnêtement, je suis juste venue prendre quelque chose tout ce au shop. Est-ce que tu peux prendre la boutique? Est-ce possible que tu prennes toute la boutique? Ok, non, mais c'est assez. Tu ne viens pas avec moi? Non, je ne viendrai pas. Prends ce que tu veux. Djemo! Asuka, qu'est-ce que tu appelles par ce nom, Djemo? Asuka. Mais toi, bien sûr. N'est-ce pas, tu t'appelles James? Je t'ai prévenu, Asuka, et à plusieurs reprises, de ne plus m'appeler par ce nom. Je suis ton aîné. Quand tu veux m'appeler, ajoute-y un peu de respect. Et pourquoi es-tu ici, au juste? Bien, ma mère veut te voir. Ta maman? Pourquoi donc? Comment saurais-je? Il y a quoi? Trop de questions. Regarde, je ne suis pas dans ton salle de classe. Asuka, comme tu peux le voir, je viens de rentrer du boulot. Je vais me rafraîchir. Et là, j'irai voir ta mère. Ok, merci. J'ai compris. James, s'il te plaît, va à la cabine et fais-moi la monnaie de cet argent. Change-moi tous ces dollars, s'il te plaît. Ne va pas à la banque. Parce que là-bas, c'est vraiment trop cher que dehors. Hein? Ok, ok. Ok. Donne-lui. Mais c'est pour mettre tout cet argent, non? Ce que tu y as là, c'est les dollars. 10 millions de dollars. Pas de Naira, oh. Êtes-vous sûr que c'est nécessaire? C'est vraiment très important. Tu veux les transporter avec tes mains? Tu ne peux pas, non? Mets tout cet argent dans ces marquettes. Essaye de bien le plier pour que ça suffise. Et je pense qu'il y aura d'autres qui resteront. Mets-les dans ta poche, s'il te plaît. Garde-le bien. Ok. Très bien. Attention, James, madame. S'il te plaît, sois prudent. Ne traîne avec personne. Ne parle même pas. Ne réponds pas au téléphone. Tu sais l'argent que tu transportes, James, je t'en supplie. Très bien. Sois prudent. Sois vraiment prudent. Hé, James. Madame. S'il te plaît, hein. Sois prudent. Okay. Ne réponds pas au téléphone. Ne salue pas les gens. Hein? Hé, okay. Dépêche-toi. Maman. Je peux respirer. Maman, nous sommes riches. Des gens malchanceux. Maman, elle aussi, à l'intérieur, se reposer. Allons-y. Dès que j'ai cet argent, je quitterai cette maison. Comment ça, mon Dieu? Comment ça peut être aussi sale? Maman? Choukoudie boubé. Maman, bon après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que tu m'avais oublié. Tu t'es rappelé de moi aujourd'hui. Maman, comment vous pouvez dire une telle chose? Je ne vous oublierai jamais dans ma vie toute entière. Je ne vous oublierai jamais, maman. Alors, pourquoi je ne te vois plus ces derniers temps? J'avais certaines choses à régler, raison pour laquelle... J'avais certaines choses à régler. Alors, as-tu réussi à régler ces choses? Avec la main des dieux, je le fais. Hein? Oui, maman. Tu m'as manqué. Maman, vous m'avez aussi manqué. Tellement même. Oh. Hey! Oh! Maman, laisse-moi me tresser tout à l'intérieur. Hey, attends, s'il te plaît. Qui t'a dit que je n'avais plus de l'eau dans la maison et que j'en avais besoin? Maman, je ne suis pas venue ici, ça fait un moment. Alors qui puisera de l'eau pour vous? Toi. Bien sûr. Toi, je le sais et je le sais bien. Maman. C'est bon, maman. Laissez-moi me tresser à l'intérieur. Je fais encore d'autres tours. Oh. Ma fille. Merci maman. Beaucoup. Maman. Hey.
C'est ça qu'on appelle belle fille. C'est qui? C'est moi, James. Hey, James. Hey, James. Maman. Quoi? James. Il suis accompli. Ouais. Voici l'argent. Qu'est-ce qu'une fille tout ça? Mais voici... J'ai dit qu'est-ce qu'une fille tout ça? Ça, c'est l'équivalent de l'argent que vous m'avez donné. Tu es vraiment stupide. Et un voleur. Idiot. Oh, je suis pas un voleur, s'il vous plaît. Alors, tu es un escroc. Encore moins un voleur armé. James. Madame. James. Madame. Où est mon argent? Madame, je le jure au nom de ma mère. Ceci est l'équivalent exact de l'argent, des dollars que vous avez. Que le dis-tu, cette mère pute et sorcière qui t'a mise au monde? Oui, maman. Donne-moi mon argent, James. J'ai l'air d'une personne qui rigole avec toi. Où est d'abord le sac que je t'avais donné? C'est où? Hey, mon Dieu, cet homme était malade. Tu n'es qu'une. James! Hey! James! Hey! Tu vas donner mon argent. Hey! Aujourd'hui, tu vas donner mon argent. Hey! Tu vas donner mon argent. Hey! Dollar! Dollar! Tu vas donner mon argent. Hey! Tu vas rendre cet argent. Maman! Qu'est-ce que j'ai fait? James! Naira! Tu vas donner mon argent. Où est mon argent? Où est-ce que tu l'as mis? Hey, Zouani, êtes-vous sûr de ce qu'Abazawore vient de dire? La criminalité est condamnable dans notre communauté. Ça s'est toujours passé comme ça. Jeune homme, qu'est-ce qui se passe au juste? Mes anciens, cette femme ainsi que sa fille sont en train de mentir contre moi. Elles m'ont remis des dollars zimbabwéens que je devais monnaie pour elles. Et ce que je leur ai remis est l'équivalent en Naira du même montant. Pourquoi est-ce qu'elle ment à mon sujet? Menteur! Tu mens! Mon frère n'a jamais voyagé à Zimbabwe. Il a voyagé aux États-Unis. Attends, quelle Amérique? Ton frère a voyagé au Zimbabwe. Et comment le sais-tu? Tais-toi, on nous les avons rien du tout lié au Zimbabwe. Tu as déjà été à Zimbabwe? J'ai été là-bas, je connais le dollar là-bas. Ce dollar-là vient du Zimbabwe. Ok. Bien. Mes chers anciens. Je trouve toujours cela très dur à croire que James ici pourrait voler de qui que ce soit. Il s'est toujours, comme nous le savons, avéré être un homme très honnête et surtout rempli d'humiliation. Alors, de quoi est-ce que tu parles? Tu essaies de dire que c'est moi la menteuse ici? Ou bien cette honnêteté ne coule pas dans mes veines? Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas besoin de dire cela. Parce que c'est vraiment trop clair pour nous que vous tous, vous avez décidé de collaborer avec cette chose pour nous détourner notre précieux argent. Oui, maman. Mais c'est pas un problème. D'accord, c'est pas un problème. Très bientôt, je vais tous vous prouver que cette chose est un criminel. Azuka, dis à ta mère de te repentir. Allez, ferme ta bouche. Il est temps qu'elle arrête de mentir. Elle en fait de trop. Je te donnerai une très bonne leçon. Tu ne peux rien faire, Eziwan. Je ne peux rien faire. Tu n'es rien du tout, tu ne peux rien faire non plus. Fou, idiot. D'ailleurs, regarde-toi. Tu crois que je ne peux rien faire? Tu ne peux rien faire du tout, alors, que tu crois? Alors, tu verras. Je te donnerai une très bonne leçon. Oui, maman. Je te donnerai une très bonne leçon que tu t'en souviendrais durant toute ta vie. Tu ne peux rien faire du tout, les anciens. N'écoutez même pas où. Elle est en train de mentir. Azuka, Azuka. Regarde, tu mens. Tu mens. On verra. On verra bien. Né. Ah ah. Comment vas-tu? Je vais bien, oh. Hein? Qu'est-ce que tu veux acheter? J'ai besoin du lait en poudre. Et seulement ça?
Non, ajoute un peu de sucre. Mm-hmm. James, James, comment était le boulot aujourd'hui? Ah, Dieu fait grâce, hein, Dieu fait grâce. J'arrive, hein. Toi, petit chat, tu penses que tu peux me voler et t'en sortir comme ça? Non, mon nom est Easy One. Personne ne peut me regarder dans les yeux et s'en sortir. À cause de mes volets, tu continueras à voler jusqu'à ce que tu mourras. C'est le prix à payer. Ainsi en sera-t-il. Mission accomplie. Jeune homme, qu'est-ce que tu viens de faire? Excuse-moi. J'ai dit qu'est-ce que tu as fait? Je viens de voir ce que tu viens de faire. Je n'ai rien fait du tout, moi. Je t'en prie, dépêche-toi avec le... Oui, j'arrive. Tu n'as rien fait. Exact. C'est à toi que je parle. J'ai dit qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai vu ce que tu as fait. Ça veut dire quoi tout ça? Nous avons l'Olympique et c'est... J'ai dit qu'est-ce que tu viens de faire? Allez, arrête ça. Oh, c'est quoi? Ah, peux-tu imaginer pourquoi tu embrasses mon client? Ton client? Oui. Ce client vient de te voler quelque chose. Allez, arrête. James ne vole pas. Le James que je connais... Tu peux le dire encore, ma chère. Comment peux-tu m'accuser de vol? Moi, connais-tu la conséquence de l'accusation? Bien. James, j'ai laissé une somme d'argent sur cette table. Es-tu sûr que ce n'est pas toi qui l'as prise? James, es-tu sûr que tu n'as pas pris l'argent sur cette table? Tu as laissé une somme d'argent ici? Oui. Il l'a pris. Retourne gentiment là où tu as laissé cet argent et cherche bien. Es-tu sûr que tu n'as pas pris mon argent? Non, mais comment est-ce que j'aurais pu... Je ne suis pas un voleur. Laisse-moi voir dans tes poches. Comment peux-tu dire ça? Laisse-moi voir Comment peux-tu me fouiller, moi? Vas-y, pourquoi? Je te mets dans ces poches. Très bien. Vas-tu arrêter avec ça? Es-tu stupide? Vas-y doucement. Je vais te gifler. Es-tu malade? Vas-y doucement. Rude. Non, mais ça veut dire quoi ça? Ce n'est pas ton argent. Voleur. James, voilà. Tu deviens voleur? Non, je ne suis pas un voleur. Je t'ai dit. Je viens de voler l'argent. Je ne suis pas un voleur, s'il vous plaît. Je n'ai pas fait ça. Oui, maman. Maman? Hey, maman, tu devais voir ça. Es-tu sûre de ce que tu dis? Oui, maman, je suis sûre. En plus, une très bonne nourriture, maman. Qui les a donné l'argent pour préparer la nourriture? Je supposais connaître maman. Peut-être que papa les a donné. Ezioku, ton père les a donnés. Oui, il les a donnés. Peut-être. Laisse-moi les voir avec mes yeux. Très bien, maman. Suis-moi. Je suis derrière toi, maman. Oya, mets-les ici. Au cas où tu ne le fais pas, c'est toi qui vas extraire ça. Extraire quoi? Tu vas t'occuper des légumes. Et qui t'a dit que c'est moi qui le ferai? Non mais franchement, je ne comprends pas. Ça me prend beaucoup de temps pour les réaliser. Maman, écoute là. Hein? Il est temps pour faire quoi? Pour que ce soit prêt. D'être prête. Mais quand la nourriture sera prête, tu seras la première à manger. Et pourquoi même tu rigoles comme ça? Qui rigole même avec toi? Est-ce qu'on peut refuser de Je me demande pourquoi elle nous regarde comme ça, comme si nous sommes en train de faire quelque chose d'étrange.
Ça ne nous concerne pas comment elle nous regarde. Mais ce qui est important, c'est que nous ne traversons pas le même chemin. Allez puiser de l'eau. Quand vous allez revenir, la nourriture sera prête pour manger. Vous devez revenir vite, d'accord? Oh, vite, très bien. Vite. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas l'argent? C'est exactement ce que tu m'as entendu dire. Ezewani, je n'ai pas d'argent. C'est ce que tu trouves à dire? C'est exactement ce que je dis. Odilego. Ok. Si ce n'est pas toi qui as donné à Noma l'argent pour préparer pour toi, alors comment est-ce qu'elle a eu l'argent? Comment je suis supposé répondre à cette question, Ezewani? Tu dois savoir où. Tu dois répondre à cette question. Tu dois répondre. Toi, si tu as de l'argent, donc va utiliser ton argent pour préparer n'importe quoi que tu veux. De quel argent parlais-tu? L'argent que mon fils avait envoyé, c'est que tu détiens. Oh, c'est pour ça que tu ouvres grandement tes yeux? C'est pour ça que tu ouvres tes yeux? Oh, c'est la raison pour laquelle tu ne me donnes pas l'argent pour la nourriture? Hein? D'accord, pas de problème. C'est bon pour toi. Pas de problème. Très bien fait. Pas de problème. Ezewani, laisse-moi tranquille. Oh, ok. Ezewani, va-t'en. Ciao. Tu vois, Azuka et sa maman, elles ont la chance parce qu'on est dans une même famille. Si ce n'est pas pour une seule petite chose, c'est Azuka. Moi, j'aime bien frapper. J'allais commencer à la frapper chaque jour. Ma soeur, il y a plusieurs moyens de tuer un cafard. Se battre avec eux tout le jour n'est pas une solution. Oublie-le, ignore-le. Mais qu'est-ce que tu veux dire par le battre ne va pas être une solution? Écoute-moi, même la Bible dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, ça nécessite la violence. Et c'est seulement par la violence que tu peux tout avoir. La même Bible dit, nous ne pouvons pas encourager le méchant. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Tu as raison à propos du royaume des cieux, mais... Mais quoi? Petite sœur, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Aussitôt que tu le réalises, ça serait mieux. Ne viens plus ici me dire de ne pas me battre. Hey, Hey, Noma! Noma! Nae! Viens! Oh! Nae, c'est quoi le problème? Je suis là. Oui, qu'est-ce qui se passe? T'as goûté cette nourriture? Non, tu connais ces enfants, Ebé et aussi Nati. Elles sont allées à la rivière, donc je les attends qu'elles reviennent pour qu'on mange ensemble. Hein? Alors, goûte ça. Il y a un problème. J'ai dit, goûte cette nourriture.
du sable. Que s'est-il passé? Tu me demandes. C'est ça que tu planifies, n'est-ce pas? Tu veux me tuer, n'est-ce pas? Tu veux me tuer maintenant? Naé, comment tu peux dire une telle chose? Comment je peux vouloir tuer mon propre mari? Enlève tout de suite ces poisons devant moi, maintenant! Enlève cette nourriture devant moi! Ok. Une femme stupide! Je ne connais la personne qui a mis du sable dans cette nourriture. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Toi là, attends, tu me verras bientôt. Fainéante! Arrête, t'es pas sérieuse, hein? Maman? Maman, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui se passe? C'est votre père. Maman, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu te mettes à pleurer jusqu'à ce niveau? Il m'accuse de vouloir les tuer. Quoi? Hein? Comment? Je ne comprends pas. Après que j'ai fini de le servir, il a trouvé du sable dans sa nourriture. Je ne sais comment. Quoi? Mais ce n'est pas la même nourriture qu'on a préparée avant qu'on parte à la rivière. Oh, oh, oh. Jésus! Fais-moi voir. Mais qui peut bien vouloir faire ça? Montre-le-moi. Mais comment? Je ne sais pas expliquer, je ne sais pas. Je ne comprends rien. Et il t'accuse d'essayer de le tuer? Oui. S'il te plaît, maman, regarde-moi, regarde-moi. Ça suffit. Arrête de pleurer, ok? Je suis tellement choquée. C'est quoi ce genre de problème? Papa, comment tu peux oser? Comment peux-tu oser d'accuser ma mère d'essayer de te tuer? Comment? Toi? Maintenant, tu vas m'expliquer comment j'ai senti du sable à l'intérieur de ma nourriture, ma propre nourriture. Et tu penses que c'est nous qui l'ont fait? Toi? Oui, c'est toi. Toi et ta mère. Vous voulez me tuer maintenant? Papa! Papa, j'ai toujours su que tu nous détestes. Mais j'ignorais que ça allait très jusqu'à ce niveau. Tu as osé nous accuser, mais tu sais très bien que ce sable vient de Ezewan et sa fille. Papa, Dieu va te juger. Quitte devant mes yeux. Dieu va te juger. Je dis, dégage de là! Maman, il est comme ça. Va! Idiote! Vous pouvez rire comme vous voulez, mais croyez-moi, rien ne marchera avec toi et ta sorcière de maman. Hey! Eboubé, t'ai-je bien entendu? Tu as juste essayé d'insulter ma mère et moi, des sorcières? Vous êtes toutes des sorcières! Vous avez mis du sable et de la nourriture de mon père juste pour nous faire du mal. Je me demande pourquoi vous êtes devenue méchante, pourquoi? Eboubé, je ne vais pas garder ces insultes pour ma mère et moi. Regardez-vous. Déjà malheureux. Qu'est-ce que vous croyez de ces gens? Déjà malheureux. Regardez-vous. Maman. Tu étais par terre? Elle m'a frappé. Nous devons être top. Il faut les frapper. Je mets la façon dont tu l'as frappé. Oui, maman. Il faut comme ça. Elle a vraiment ici. Hey, maman, merci beaucoup. Ma fille, tu es vraiment forte. Oui. Tu l'as poussée par terre. Oui. Tu l'as frappée. Maman, tu as vu ça? Tu es vraiment très forte. C'était quoi ça? Tu allais te battre pourquoi? Maman, c'était évident qu'ils ont mis du sable dans la nourriture. Et alors?
Alors? Oui. Moi, c'est tout ce que tu as à dire? Tu me demandes de rester là assise et avaler cette insulte? T'ai-je demandé d'aller te battre avec eux? Pourquoi je dois toujours te mêler avec elles? Non, maman. Maman, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de jouer à ces jeux. Maman, juste regarde comment elles nous ont fait passer le message. Que notre place est dans le sable et non sur la table. Maman, en tout cas, je ne peux plus les tolérer. L'intimidation dans cette maison doit cesser. Ça doit prendre fin. Eh, Boubé. Maman, laisse-la tranquille. C'est évident qu'elle est très en colère en ce moment. Et tu ne peux rien faire pour changer cela. Laisse-la partir. Oh, Sinati. Maman. Mon problème est que je ne veux pas qu'elle se batte avec Mouna et sa fille. Ouais, merci mon oui, gars. Puis-je avoir le plus gros? Celui-ci? Ouais. Ok, tout à l'heure, je te donne la monnaie tout à l'heure. Ça ne dérange pas, ouais, très bien. Et Boubé, pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Écoute, parle-moi. Tu es venu ici parce que je suis la seule personne avec qui tu peux parler. Alors s'il te plaît, parle-moi. Vas-y, parle-moi, pourquoi pleures-tu? Comment est-ce que mon propre père nous accuse d'essayer de les tuer? Sérieux? Oui. Après tous les efforts qu'on a fait pour préparer la nourriture pour lui, Azuka et Ezwan ont mis du sable dans cette nourriture. Hey. Et tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est d'accuser ma maman d'essayer de les tuer. Mais c'est que ma mère ne peut pas le faire. Écoute, arrête de pleurer. Il faut que tu sois sûr que ce qu'un homme aura semé, il y récoltera. Je n'arrive pas à croire. Et pour la nourriture, je vais te donner l'argent pour que tu en prépares une autre. Je t'en prierai de pleurer. Ma mère n'osera pas faire une telle chose. Ma mère ne peut pas le tuer. Ça va aller, d'accord? Elle ne peut pas. Ça va aller, arrête de pleurer. Allez, je suis avec toi, ok? Ça va aller. Je veux cet argent maintenant. Je n'ai pas d'argent. Tu étais endormi quand je t'avais dit que j'avais besoin d'argent pour acheter un habit trop cher pour la réunion de femmes. Est-ce que tu étais endormi quand je t'avais dit d'utiliser le million que tu avais eu chez ton enfant d'acheter tout le matériel qui va te nourrir durant toute ta vie? Okoro, je ne suis pas en train de plaisanter avec toi. Je ne plaisante pas non plus. Donne-moi cet argent maintenant. Je te dis, je n'ai pas d'argent. Tu sais que tu es vraiment égoïste. Très, très égoïste. Hein? Tu continues de me les rappeler. Écoute, j'ai essayé de te tolérer plusieurs fois. Mais tu finis toujours par me piétiner. Encore. Pourquoi? Mon mari. S'il te plaît, regarde-moi. Non. Regarde-moi, non? Je vais l'argent maintenant. Tu m'avais demandé combien? C'est quoi le montant, dis-moi? 10 000. Juste 10 000. Seulement. Ah! Oh! Et c'est Wanyé? Assis-toi là, je reviens tout de suite. Et c'est Wanyé? Je vais m'asseoir confortablement. C'est comme si tu voulais jouer avec mon esprit. Prends. 50 000. 15 000. Je te donne tout. Donc, je dois utiliser tout cet argent. Je t'ai dit de prendre tout. C'est 15 000. Merci. Je t'en prie. Et c'est moi, Nyoma. Mon très cher mari. Oui.
Dès aujourd'hui, tu feras tout ce que je te demanderai de faire. Oui, chérie. Tout ce que je te dirai, tu le feras. Oui, maman. Un bon garçon. Merci beaucoup. Merci, maman. Azuka! Oui, maman! Azuka, moi! Maman, j'arrive, oh! Maman, j'arrive, oh! Attends-moi! Amalecha, moi! Maman! Mon miroir quotidien! Ma jolie fille! Dans ce village, toutes les filles veulent ressembler à ma fille! Amalecha! Regarde-moi! Gentille, maman! Ça, c'est moi! Gentille, maman! Ezewa, noa, nimié! Hein? Ça, grande moi. Dame, la plus belle de toutes les mamans du monde entier. Maman, tu as beaucoup d'argent. Donne-moi un peu d'argent, maman. Un peu d'argent, hein? Un peu d'argent. Grande dame, jolie maman. J'ai un peu relaxé. J'ai un peu relaxé. Oui, maman. Oui, maman chérie. Hey. Ma fille. Et c'est de ma faute? Non. Ce n'est pas de ma faute. Tu sais, ils ne savent pas que j'ai un homme tellement gentil. Oui, maman. Et un fils qui reste aux États-Unis d'Amérique. Amérique. Maman, maman. Et c'est de ma faute. Non, maman. Ces deux personnes-là ont juré que j'aurai un habit neuf pour cette réunion de femmes. Hey! Maman, maman, Ezewani, Achalug, donne-moi les dollars, maman. Maman, montre-moi, montre-moi. Montre-moi, jolie maman. Jolie maman, c'est pas comme d'autres personnes. Hein? Qui sont assises et continuent de crier le nom. Madame. 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 Est-ce de leur faute? Oui, oh, où maman. Où sont-ils? Ils regardent. Juste. En bas, madame. Il me regarde comme si je tiens sa vie. Ezewani, maman. Où est passée grande, ta grande mère? Dame. Elle n'ira pas à la réunion. Jolie, maman. De quel côté gentil, devons-nous aller? Regarde là. Maman, c'est fini, non? Donne-moi la carte. Je te suis. Maman, maman. Jolie, jolie. Maman, bouge. Cette carte, passe-la moi. Travailleuse. Allez-y, maman. Belle maman. Dis à ta mère que je vais à la réunion de femmes et je l'attends là-bas. Oui, oh, maman, maman, vas-y. Marche, hein? Marche, non. Maman, vas-y. Marche un peu. Ezewani, Achalugu. Hein? Jolie maman. Maman des mamans. Ma... Ah, ah. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Tous tes collègues se sont habillés pour aller à la réunion de femmes. Je ne vais pas prendre part aux réunions cette année. Et pourquoi? C'est ton père qui me l'a dit. Il a refusé de me donner l'argent pour acheter ce qu'il faut. Je dois endurer ma peine. Quoi? Mais il a donné à Ezewani l'argent. Elle était joyeuse là en train de chanter et l'appelait un mari gentil. Écoute, maman, si on n'essaye pas de faire quelque chose pour tout ça, nos larmes n'effaceront pas cette humiliation. Papa, comment est-ce que nous t'avons offensé? Papa, tu nous traites comme si on était des lépreux. Mais qu'est-ce que je fais? Papa, je ne prétends pas que tu ne saches pas de quoi est-ce que je parle. Papa, tu as donné l'argent à Ezewani pour qu'elle paraisse belle devant toutes les femmes à la réunion. Mais tu as demandé à ma mère
d'aller nue si elle veut participer vraiment à cette réunion. Papa, c'est très méchant de ta part. Moi, et bébé, moi, je suis ton père. Tu ne peux pas me parler n'importe comment. Papa, je suis contente que tu réalises enfin que tu es mon père. Sois un homme et prends tes responsabilités si réellement tu veux mon respect. Eboubé. Eboubé, reviens ici. Grande sœur, je comprends ce que tu ressens. Mais je veux aussi que tu puisses comprendre que nous ne pouvons pas obtenir tout ce que nous voulons par la violence, ma sœur. Cela n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Otinasa, on a été gentils pendant toutes ces années. Et qu'est-ce qu'on a eu en retour? De malédictions, des humiliations et des intimidations. Je ne le supporterai plus parce qu'ils s'en foutent de ce que ressentent les autres. Ma sœur, je te supplie. Ne me supplie pas. Surtout pas. J'ai beaucoup enduré. Toute cette folie a commencé avant même que tu sois née. J'ai été là comme une spectatrice. Le comportement de papa à travers Izumon et sa fille n'a jamais changé. Alors, s'il te plaît, ne me supplie pas. Essayons de patienter encore après 30 minutes et c'est là qu'on va se décider. Je n'arrive pas à comprendre. Devons-nous continuer à travailler de cette façon? Mais juste que c'est dire, c'est ça, vous sentez, elle. Nous ne sommes pas des enfants quand même. Sonnez de trop. Regarde, sonnez de trop. Les temps passent, non? Jusqu'à cette heure. Elle aurait dû sortir de passer. On ne peut pas continuer comme ça. Et on va rester là en train de les attendre. Tu as raison. Mais pourquoi elle traîne si longtemps? En tout cas, moi je suis fatiguée. Non, sonnez de trop. Patientons un peu, mes amis. Finalement, d'où est venu ce retard? Hein? Donc nous devons attendre pour commencer cette réunion. Mais nous sommes en train de perdre notre temps. Pourquoi donc? Vraiment, c'est juste incroyable. Pourquoi? Mesdames, elle a raison. Sommes-nous obligés d'attendre jusqu'à ce que Ezewa arrivera pour commencer la réunion? Non. Non, c'est pas possible. Faisons quelque chose à propos. Nous pouvons commencer. Et dès qu'elle arrivera, elle va payer pour tout ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est nous ne sommes pas ses enfants. Elle ne peut pas nous faire poireauter comme ça. Écoutez, j'allais dire ceci. Elle est qui, Ezemoy? Nous lui avons assez toléré. Écoutez, les dames. Moi aussi, j'avais payé pour l'uniforme, donc... Elle aussi doit faire ça. Elle doit le payer. Elle doit le payer. C'est ça. Ah, c'est quoi ça? Elle se prend pour qui? Pourquoi ça? Ezewai. Jolie maman. Tu as beaucoup d'argent, maman. Donne-moi ces dollars, non? Donne-moi ces dollars. Adorable mère, ma maman est la plus belle femme. Maman, les cartes. Donne-moi cet argent, maman. Adorable maman. Achalugo, Ezewani, Odogune. Hey, maman, regarde-toi. Maman, tu en fais trop. Ma plus belle maman. La plus belle maman. Hey, regarde comme tu marches. Alors, faisons une petite prière. Très chère femme, je vous salue. Je vous salue, vous toutes. Les femmes de haut niveau, mes salutations à vous. Je dis bonjour à vous tous. Ceci est la bonne manière de répondre à ma salutation, hein?
Je les considère comme si, pendant que je suis là, la règne peut commencer maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce qui te fait croire que nous devons attendre pour l'éternité pour commencer ces meetings? Oui, c'est ça. Oui. Et toi, tu peux même parler. Hein? Donc, tu peux aussi parler. Je pense que vous êtes devenue folle. Quoi? Hey, hein? Quoi? Je réponds quoi, à ta franchement. Question. Je suis Eziwan. Et alors? Et rien de si raisonnable peut se passer jusqu'à ce que je sois là. Détrompe-toi. Eziwan, écoute-moi. Ah. Il n'y a aucune esclave ici et tu n'es au-dessus de personne non plus. Tu ne peux continuer à nous manquer de respect. Informe-la. Nous nous sommes décidés tout ici qu'à ton arrivée, tu dois nous payer 3000 naira. Tu dois les payer. Écoute, Eziwan, tu dois payer cet argent. Moi aussi, je vais payer. Quand j'avais offert nos règles, donc toi aussi, tu dois payer. Eh oui. Tu n'es pas différente, René. Nous sommes toutes pareilles. C'est vraiment la folie. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire, même? T'inquiète. Et qui parmi vous a décidé? Nous toutes. Tout le monde. C'est pas une seule personne. Nous toutes. Femme, j'ai dit qui avait décidé? Nous toutes. L'ensemble. En tout cas, tout le monde. Nous toutes. Chère femme, je repose la question. Vous avez toutes décidé que je paye le prix? Personne ne parle. Non, ce n'est pas tout le monde. C'est maman Odia et maman Chinasa. Elles ont décidé elles-mêmes. Ce n'est pas nous tous, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est pas tout le monde. En tout cas, elle a raison. Seulement elle. Je jure, Chinasa, c'était pas moi. C'était la présidente et la secrétaire. Présidente et secrétaire, toutes les deux, vous avez décidé que je devrais payer cet argent? Vous ne parlez plus? Ok, la réunion commence maintenant que je suis là. Vous ne parlez plus? Ou vous voulez payer le prix pour ne pas parler? Non, présidente, Eziwan. Oh, répète encore ces noms. Eziwan. La jolie dame. C'était quoi le sujet de notre dernière réunion? Quoi? Vous avez perdu votre langue? Allez, je vous écoute. Eboubé. Donc, elle pense qu'elle peut l'avoir. Après tous mes efforts pour enfin l'avoir, elle court toujours derrière elle. Eboubé, Paul est le mien. Et à moi seul. Oui, il m'appartient. Ok, je sais quoi faire. Thank you.
Paul. Arrête-toi là. Qu'est-ce que tu veux faire? Te faufiler dans ma boutique? Hein? Qui est ton fils d'ami? Combien de fois t'as dit de voir ton fils d'ami? Dis-moi ce que tu as envie d'acheter, comme ça tu vas quitter cet endroit. Bien. Je ne suis pas venue acheter quelque chose. Je suis venue passer du temps avec toi, mon petit ami. Tu es venue passer du temps avec moi? En tant qui, non? Et pourquoi? Ah, Paul, arrête de faire semblant. Je sais que tu m'aimes parce que je suis plus belle que Boubé. Mais tu sais quoi? Ta fierté ne te permet pas de m'approcher. J'ai aussi remarqué que tu me regardes toujours quand tu es avec Boubé. Moi, Paul, te regarder toi. Tu sais même si j'avais ce problème des yeux regardant comme ça en l'air. Tu connais un peu le genre. Et puis, d'ailleurs, c'est une erreur parce que je n'ai même pas ce genre d'yeux. Pourquoi vais-je te regarder? Hein? Écoute, je crois que il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Il n'y a que pour ta sœur et Boubé que j'ai des sentiments. Okay? Sans effet. Elle n'est pas ma sœur. Et tu sais quoi? Elle ne t'aura jamais. Ok. Maintenant, c'est évident que tu n'étais pas venu acheter quoi que ce soit. Est-ce que tu peux partir? Arrête ça. Dégage. Paul. Tu as dit trois fois maintenant. Je suis venu te voir. Mon ami, dégage, c'est en toi maintenant. Dégage, tu veux que je te dise? Allez, dégage. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Malécham. Qu'est-ce qu'il y a, non, maman? Hein, ma fille? Qui te met dans cet état? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, parle à ta mère. Maman, c'est Paul. Paul? Qui est Paul? C'est lui qui a une boutique derrière. Il t'a touché? Il t'a frappé? Non, maman, je l'aime, il ne m'aime pas. Il a choisi Boubé à ma place. Et Boubé? Il a choisi Boubé. Qui est Boubé pour s'affronter avec ma fille à cause d'un homme? Qui est-elle? Et Boubé que je connais? Oui, maman. C'est pour ça que tu pleures? Essuie tes larmes, ma fille. S'il te plaît, essuie-moi tes larmes. Mais sais-tu pas ce que ta mère est? Tu veux Paul? Oui, maman. Tu apprécies Paul et tu veux la voir? Oui, maman. Très bien. Si tu veux le Paul original, Paul du photocopie, tous ces genres de Paul t'appartiendra. Oui, maman. Essuie tes larmes, tu n'as pas besoin de pleurer. Ma fille, n'aie pas peur de Paul. Son esprit est très faible et sans espoir. Dis-lui tout ce que tu veux. Paul, je veux que tu m'aimes immédiatement. Et je veux que tu m'aimes immédiatement toute ta vie entière comme tu n'as jamais aimé une femme. Tu penseras plus à personne. Tu ne penseras plus à personne sauf à moi et pour toujours.
Dès que tu verras Eboubé, tu verras l'amour. Tu feras tout ce que ma fille te recommande. Ainsi soit-il. Je compte, je compte. Bébé, je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Où étais-tu depuis tout ce temps? Hein? Écoute-moi, accepte-moi maintenant en tant que ton homme. Je t'ai cherché absolument partout. Je vais être ton amoureux. Et écoute, je vais te protéger, je vais te donner tout ce dont tu auras besoin. Il suffit juste de me le demander. Oui, je t'en prie. Accepte-moi, je t'en prie. Je sais que tu es surprise, mais je t'aime. Hein? Je t'en prie. Tu es tout ce qui compte pour moi. Il n'y a personne qui peut se comparer à toi. Tu es la plus douce, tu es la plus mignonne. Et d'ailleurs, hein, bébé, dis-moi tout ce dont tu as besoin là maintenant et je vais le faire pour toi. Je te nettoierai la peau, je nettoierai tout ce que tu voudras chez toi et même tes cheveux. Je prendrai soin de toi, je te le jure. Grande sœur, il y a quelque chose que tu dois savoir. Qu'est-ce que c'est, Osinachi? Je ne sais pas comment est-ce que tu vas le prendre. Je viens de voir ton petit ami Paul à genoux devant Ozuka en train de lui déclarer son amour. Quoi? Écoute, Osinachi, je crois que tu n'es pas sérieuse. Je suis sérieuse, grande sœur. Arrête! Ferme ta bouche! Paul ne peut pas être si naïf pour sortir avec quelqu'un comme Ozuka. Mais je ne suis pas en train de te mentir. Tu dois me croire, grande sœur. Il est toujours là-bas. Ok, dans ce cas, tu dois venir avec moi pour que tu puisses le voir de tes propres yeux. Viens. Je serai avec toi. Je vais t'aimer. Je ferai ce que tu veux. Hein? Je t'en prie, accepte-moi. Hein? Je t'en prie. Bébé, je t'aime infiniment. Bébé, accepte-moi, je t'en prie. Paul! Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est-elle? Pourquoi tu t'as gêné devant elle? Qui est-elle? Hein? Azu, qui est-elle, non? Qui est-elle? Qui es-tu? Je t'aime, chérie. Tu es l'amour de ma vie. Et je pense que je dois faire comme si je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Mon amour, écoute, lève-toi. Allons-y dans ma chambre. Allez, dégage-moi d'ici! Quoi, en plus, tu veux me kidnapper? Es-tu malade? Au lieu plutôt de m'aider à la supplier, tu veux maintenant m'emporter. C'est quoi ça? Elle est la seule personne qui peut me demander de me lever. Parle d'abord à ma reine avant que je ne puisse me lever. Écoute-moi, Paul. Je suis ton seul amour, souviens-toi. Je te demande de te lever et de me suivre. Allons-y, il y a quelque chose. Je vais être du fléau. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Dégage-toi là. Je t'en prie, écoute, mon bébé, je t'en prie. Ignore-la, ces obstacles-là, c'est normal. Ça fait partie de l'amour. Je vais t'emmener. Paul! Bébé, tu es la seule que j'ai dans ce monde, ne t'en fais pas. Qu'est-ce que tu lui as fait? Ne me touche pas! Arrête-moi cette bêtise! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Tu me vois en train de supplier quelqu'un, tu l'as interféré et tu es malade. Écoute, avant que j'arrive à toi, dégage. Paul! Hein? Paul, deux? Tu me repousses? Non, vous êtes encore. Dégagez d'ici maintenant, je fais tout de suite. C'est quoi ça? Dégagez! Êtes-vous malade? Allez, dégagez d'ici, moi je vais continuer ce que je fais. Moi je sais que vous voulez me distraire. On y va! Arrête! On y va, grande sœur! Accepte-moi! Non, Paul! Ah! Je vais te frapper! Dégage d'ici! S'il te plaît! Grande sœur, nous devons partir, j'ai pas envie qu'il te blesse, allons-y! Accepte-moi, mon amour, je t'en prie. Accepte-moi. Je prendrai soin de toi, tu brilleras comme le soleil. Je jure devant Dieu, accepte-moi, je t'en prie. Tout ce que tu voudras, je vais faire. Oublie-les. Cette langue, laisse-la pour moi. Je t'en prie, dis oui. Vas-y. Hein? Je t'en prie, yo. Vas-y, dis oui.
Je prendrai soin de toi. Maman, ça a marché. Qu'est-ce qui a marché? Paul est à l'extérieur, à genoux, en train de me supplier d'être sa copine. En train de confesser tout son amour pour moi. Vraiment? Oui, oh. Es-tu surprise? Mais je t'avais dit que ça marchera. Maman, tu l'as fait. Tu l'as fait. Je suis nerveuse. Tu es nerveuse? Je ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire? Ne me fais pas rire. Allez, fonce! Va faire ça avec lui. C'est ce que tu voulais depuis longtemps, non? Il n'y a personne qui peut jouer avec tes sentiments. Alors, utilise-les. Manipule-les. Sois au-dessus de lui. Contrôle-les de façon que ça te convienne. Il fera juste tout ce que tu lui demanderas. Partir. Allez, vas-y, fonce. Ok, maman, laisse-moi partir. Contrôle-les. Oui, maman. Demande-les de s'agenouiller. Oui, maman. Demande-les de s'asseoir. Dis-lui tout ce que tu veux. Ok? Ne te dérange surtout pas. Paul, ceci est juste le commencement de ta vie. C'est le début de la transition, de la transmission que tu vas subir entre nos mains. Je n'arrive pas à y croire que Paul peut m'effacer, s'il te plaît. Juste laisse-moi aller. Non. Calme-toi, grandeur, calme-toi. Tu ne peux pas faire ça. Mais calmer, c'est tout ce que tu as vraiment à me dire. Oh Sina, tu ouvres tes yeux. Tu ne peux pas voir ce qui se passe. Écoute, regarde ce qu'elles ont fait à mon Paul. Elles l'ont prise. C'est comme si elles nous prennent tout ce qui nous reste. Elles ont pris Paul. Elles ont pris Paul. Elle a toujours voulu de lui. Grande sœur, la vérité est que nous ne pouvons rien faire à propos, grande sœur. Si c'est pas qu'aller vers Dieu pour prier, je t'en prie, ma sœur. Je le ferai. Je vais les affronter. Je vais les affronter, même si cela demandera les dernières gouttes de mon sang. Je veux me battre. Je veux me battre. Alors, tu disais que tu m'aimais et tu es prêt à tout faire pour moi. Exact. Je t'aime. Je ferai n'importe quoi. Vas-y, dis-moi. Bien. Tous les récipients d'eau qui se trouvent dans cette maison sont tous vides. Et je n'ai pas de force pour aller puiser de l'eau. Enfin, ce que tu essaies de dire, c'est que je devrais aller puiser de l'eau, n'est-ce pas? Attends, c'est tout? Oui. Ah. Et après cela, je veux que tu me prépares la nourriture. Oh. Et après tout cela, je vais te considérer comme mon petit ami. Tu veux que je puise de l'eau et que je cuisine? Oui. Et c'est tout? C'est tout ce que tu demandes? C'est comme si c'était fait. Ça, c'était rien du tout, non? Attends, je vais rapidement aller. Reviens. Que je revienne. Là-bas. Hein? De l'autre côté. Oh, les récipients sont là-bas. Oui. Aucun problème. Aucun problème, je vais rapidement les chercher. Hein? Tout cela n'est rien du tout. Regarde-les. Regarde comme ils courent comme un enfant.
Paul, tu iras nulle part. Non, dégage de mon chemin. Mon amour, qu'est-ce qu'elle t'en fait au juste? Personne ne m'a fait quoi que ce soit. Paul, tu ne vas pas bien. Ça, ce n'est pas toi. Ce n'est pas le Paul que j'ai connu. Ok, je vois, mais parce que le Paul que tu connaissais est mort déjà. Celui-ci, c'est le nouveau Paul qui est fait pour Azuka. Et elle m'a donné l'instruction, celle d'aller puiser de l'eau. Alors dégage maintenant. Bébé, ne fais pas ça, s'il te plaît. Au moment où tu me parles, ils vont me dire puise. Il faut que je puise de l'eau. Paul, il faut plaît, que je passe. Non. J'ai dit pas tant, non. Paul, qu'est-ce qu'elle t'en fait? Mais s'il te plaît, Paul, regarde-toi. Comment tu peux permettre à cette femme et sa fille de te manipuler comme ça? Arrête cette bêtise. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Tu ne vois pas qu'il faut que j'aille se servir cette nourriture? Paul, ce n'est pas toi ça. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ça l'amour. C'est toi qui réfléchis plus avec tes sens. Tu veux simplement pas réaliser le fait que je vis maintenant avec Azuka. C'est la jalousie qui t'envahit maintenant. Dégage de mon chemin. Je ne te laisserai jamais faire ça. La nourriture que j'ai perdu mon temps à préparer. C'est ce que tu as renversé? Je suis désolée. Tu es désolée? Hein? Tu es désolée? Ça veut dire quoi ça? Hein? Ça veut dire quoi ça? Hein? Hein? Maintenant tu es désolée? Hein? Hein? Désolée pour toi-même. Tu crois que c'est ton désolé qui va ramener cette nourriture? Non mais tu sais que tu es vraiment stupide toi, hein? Tu sais combien j'ai souffert pour ça? Tu sais combien j'ai souffert? Tu veux maintenant qu'est-ce que tu es? Hein? Peux-tu imaginer que c'est cette idiote? La nourriture que j'ai préparée pour toi, elle a juste renversé comme ça. Ne t'occupe pas d'elle. Elle appartient aux démons. Regarde là. J'espère que tu as laissé quelque chose dans la cuisine. J'ai encore de la nourriture. Ok, apporte-les. Laisse-la par terre. Tu vois pourquoi je t'aime? Tu es vraiment très gentil. Une personne qu'on devait frapper maintenant, tu dis que je devrais laisser pour t'emmener de la nourriture. Non. Elle est déjà par terre. Juste c'est bon, hein, tu es sûr? C'est pourquoi je t'aime. Tu as un bon cœur. Ah, mon amour. Tu peux y aller, c'est bon. Mais passe par ici, je n'ai pas envie qu'elle te salisse. Ça, c'est mon bébé. C'est vraiment pourquoi je t'aime. Tu sais, il sait aussi comment préparer. Mon ventre est rempli. Dès maintenant, il sera celui qui nous préparera la nourriture. C'est lui qui nous le fera. Ok, hein? Faire la lessive. Même la vous mes amis. De ménage. Je serai toujours en train de dormir. Il va préparer la nourriture, puiser de l'eau, laver tes habits et arranger mon lit. Hey, c'est vraiment bien, maman. J'aime ça tellement. Regarde ce qu'il t'a fait. Tout ça juste parce que tu as refusé d'écouter mes conseils. Maman, il n'est plus vraiment lui-même. C'est pourquoi tu ne dois plus t'occuper de lui. Maman, Azuka a pris l'homme qui a su conquérir mon cœur pour la première fois. Et
tout ce que tu m'as dit et que je le laisse tomber. Ma fille, Dieu fera merveilleusement les choses à son temps. Seulement à son temps? Et alors, ce qui concerne mon temps? Et alors, du fait que je suis en train de perdre ma tête? Maman, c'est alors je ne veux pas jusqu'au temps de ton Dieu. S'il te plaît, ne dis plus ça. Ne le dis plus. C'est moi qui t'ai accouché. Personne ne t'ôtera la vie, peu importe. Maman, je ne suis approche. Pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver à cette heure de la nuit? Où est-il? Qu'est-ce qui se passe? Oh, le Dieu de notre terre, je vous en prie, faites quelque chose. Ramenez-moi mon fils, ramenez-le. Pitié, faites quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh mon Dieu, je ne saurais pas supporter ça. Je suis inquiète. Oh, il n'a jamais passé de nuit dehors. Il ne l'a jamais fait. Je n'ai pas sommeil. Je ne sais quoi faire. Je veux aider mon fils. Hey, le Dieu de notre terre. Ezewan, qui est ce garçon que je vis dans la parcelle? Lesquels? Les garçons qui est en train de tourner gentiment auprès de mon unique fille. Faire du jeu comme des amoureux dans ma propre parcelle. Il se prend pour qui? Oh, c'est Paul, le futur mari de ma fille. Son futur époux? Oui, monsieur. Ah. Et qui t'a donné l'autorisation de pouvoir lui donner mon unique fille? Je le fais, monsieur. Tu l'as fait? Oui, monsieur. Toi? Ah. Oh, c'est toi le chef de la famille maintenant? Non, c'est pas moi le responsable de cette famille. Azuka est ma fille. Et Azuka est mon unique fille aussi. Bien, Okor, c'est la raison pour laquelle tu m'as appelé dans ta chambre. Ezewan, d'abord c'est ma maison. Et j'ai tous les droits de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison, inclus toi. Et ma fille, ainsi que ma famille. Encore. S'il te plaît, assieds-toi. Ok. Laisse-moi les dormir. Ok, je pars m'asseoir. Ne m'appelle plus la prochaine fois pour tout. Non, je le ferai plus, je le ferai plus. Je vais te poser une question. Je veux que tu me répondes avec sincérité. C'est quoi la question? T'ai-je supplié de m'épouser? Ah, mais c'est quel genre de question tu ça? Tu n'as qu'à me répondre. Non, tu ne l'as pas fait. Ce qui veut dire
que c'est toi qui es venu me supplier. Et après que je t'ai observé, finalement j'ai accepté de t'épouser. Tu sais quoi? Je regrette pourquoi je m'étais décidé de t'épouser. Quoi? Je t'ai donné des jolies filles. Est-ce que c'était de ma faute quelque part de ne t'avoir pas donné un enfant garçon? Oh non, ma, arrête de dire comme ça, hein? Okolo, je ne vais pas arrêter. Parce que je sais que la cause de tous ces problèmes est le fait que je ne t'ai pas donné un enfant garçon. C'est pourquoi tu deviens favorable à Reze et moi et ses enfants. Et à moi et mes enfants, tu deviens indifférent. Écoute, sache que j'accepterai d'être humilié par toi et Ezemoye. Peu importe l'attitude que vous me donnerez, mais je ne serai pas d'accord si vous le faites à mes enfants. Mais qu'est-ce que tu veux dire, hein? Dis-moi. Ezemoye et sa fille ont détourné les cœurs de cet homme que ma fille Eboubé a tant aimé. Elle est en train de perdre ses sens pendant que tu es là, ne faisant rien. Quoi? Je ne le savais pas. Comment tu le sauras? Pendant que tu ne cesses de faire les sourdes oreilles à chaque fois que mes filles t'approchent pour te parler. Écoute, et écoute-moi bien. Prie juste ton Dieu que rien de mal n'arrive à ma fille. Sinon, ce village sera tellement petit pour nous contenir. Hé, hey, jeune homme, qu'est-ce que tu fais? Ah, bonjour, papa. Juste ton père? Est-ce que ça ressemble à la maison de ton père? Non, c'est la maison de ma belle famille. Je connais tes plans, je connais ta mission ici. Tu es venu ici pour détruire ma maison. Mais ça va pas marcher. Maintenant, écoute-moi. Ça ne va pas marcher pour toi et pour les gens qui t'envoient. Donc, ne me permets pas de faire quelque chose de stupide. Quelque chose qu'on va regretter tous les deux, donc prends tes histoires et sors de ma parcelle maintenant. Ah, papa, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a quoi? C'est comme ça qu'on dit bonjour à son père? Pourquoi embarrasses-tu mon petit ami? Tu vas la fermer? Ton petit quoi? Petit ami. Petit ami. Ah, Azuka, tu me déçois. C'est une déception pour toutes les femmes, pour moi, ainsi que ma famille. Parce que t'as amené un homme dans la maison de ton père. Un homme qui t'a même pas épousé? Oh! Tu es une folle! Papa, je l'aime! Exact. C'est comme il a toujours été dit, que nous sommes soudainement tombés amoureux. Aïe. Je ne te permettrai pas de transformer cette maison en un hôtel! Jeune homme! Monsieur? Je dis dégage d'ici papa, maintenant! Papa, il n'ira nulle part! Ça, c'est ma maison et non la tienne! Et ça, c'est la maison de mon père! Et qui est ton père? Toi! Maintenant, jeune homme, va-t'en d'ici papa, et vous deux, partez il n'ira d'ici, nulle part! Hé hey! Viens ici. Azuka. Viens. Azuka. Tu as fait tomber ton père. Hé hey! Mon Dieu. Hé hey! Azuka. D'accord. Que j'ai l'air d'une personne qui a la force d'aller séparer des tigres qui veulent s'entretuer. Hein? Elles peuvent s'entretuer, je m'en fous. Papa, mais qu'est-ce que tu racontes? Hein? Si tu ne les sépares pas, elles vont finir par s'entretuer. S'il te plaît, papa. Papa? Si mes deux femmes se sont décidées que moi, Okoro, je ne peux pas avoir la paix. Je ne peux pas avoir la paix. Uzubo, dégage d'ici. Va-t'en. Papa, papa, c'est pas juste. Jamais. Personne ne peut tuer Okoro. Personne. Elles peuvent se tuer, m'en fous. Oh.
Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais sur le point de venir chez toi pour savoir si Paul est là-bas. Qui t'a fait ça? T'es-tu battu avec quelqu'un? Maman! Maman, elles ont éloigné Paul de moi. Quoi? Maman! Elles ont éloigné Paul de toi? De quoi est-ce que tu parles? Elles ont éloigné qui? Maman, je ne sais pas ce qu'Azuka sa maman fait à Paul. Depuis qu'il est venu là-bas, il ne veut même pas partir. Il ne veut pas le laisser. Elles l'ont éloigné de moi. Je ne sais pas, maman. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et c'est impossible. Mon fils. Mon fils, je t'en prie, rentre à la maison. Ici, c'est pas chez toi. C'est pas chez toi. Ici, vite, rentre avec maman. Écoute, maman, je t'ai déjà dit. C'est la maison ici pour moi. C'est ici que mon cœur veut rester. Je vois même pas pourquoi est-ce que tu te déranges. Va-t'en. Hein? Va-t'en. Je t'en prie. Mais... Qu'est-ce qu'elles t'ont fait, mon fils? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Personne ne m'a rien fait du tout. Et toi, là, c'est ce que je n'apprécie pas chez toi. Je ne sais même pas de quoi est-ce que vous avez parlé. Je vais bien rentrer à la maison. Tu ne vas pas bien, Paul. Je le sais. Je sais que tu ne vas pas bien. Ce ne sont pas les garçons que j'ai accouchés rentrent à la maison. Maman, respecte-toi. Maman, tu entends? Mon amour est en train de m'appeler. Hein? Il faut que j'aille lui répondre de rentrer à la maison. Hein? Allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en. S'il te plaît, mon garçon. Moi, j'ai dit rentrer à la maison. Pourquoi ça m'attend? Ça suffit. Si je vous revois ici, vous deux là, vous, je vous fais. Mon fils, il ne va pas bien. Maman, je les connais. Bon. Je les connais bien. Il ne va pas bien. Il ne va pas du tout bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon fils? Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon fils? Maman, je vous en supplie. J'ai besoin de mon fils. Maman, j'ai besoin de mon fils. Qu'il me remette mon fils. Qu'il me remette mon fils. Ça, c'est pas mon fils. Ça, c'est pas mon bon nom de Dieu. Naï, je suis venue chez toi. Parce que je n'ai nulle part où aller. Je n'ai personne vers qui me tourner. Naï, mon fils. Mon fils, je l'ai perdu. Et c'est voyé sa fille. On rendit captif mon fils, je t'en prie, aide-moi. Aide-moi, Naï. Ce que tu viens à peine de me dire est choquant et vraiment très dur à croire. Naï. Comment pourrais-je mentir? Naï, nous sommes en train de parler de mon fils. Naï, pitié, pitié, je besoin de ton aide. Aide-moi, Naï. Je n'ai personne d'autre que toi. Pitié, aide-moi. Aide mon fils, pitié, Naï. Naï, pitié. Je n'ai personne pour m'aider. Lève-toi. Lève-toi. Que je me lève? Oui, lève-toi. Ok. Vas-y, Naï. Nous allons vous réunir, toi et ton fils. Hey. Merci beaucoup, Naï. Merci. Nous allons intervenir à ce problème et nous assurer à ce que ton fils te revienne ainsi que son business. Hey, Naï, merci beaucoup. Merci infiniment, Naï. Oh mon Dieu, que le Dieu de notre terre te bénisse. Okoro. Nous avions une accusation de Izine, que son fils a été kidnappé dans ta maison. Qu'as-tu à dire à Pota? Kidnappé qui? Ah, je n'ai kidnappé personne, moi. Alors, que fait-il ici? Qui? Paul, et bon mania. Oh, Paul, le ghosto. Ah, oh, et que Paul a gougamo, je suis fatigué de Paul. Oh. Hein? J'ai confronté les jeunes hommes, et j'ai confronté Zewagne. Qu'est-ce qu'il faisait dans ma parcelle? Je lui dis de quitter. Oh Simba, Ezwan me dit de les laisser tranquilles. Et Paul lui-même dit qu'il va partir nulle part. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Okoro, tu dis n'importe quoi là. Te rends compte de ce que tu dis? Et tu l'as quand même permis de rester ici. Mes amis, je suis fatigué. Je ne sais pas quoi faire encore. Je vous le dis, s'il vous plaît, aidez-moi à faire sortir ces jeunes hommes dehors de ma parcelle. Hein? Hein? Faisez-les sortir de ma parcelle, je vous dis, je suis fatigué. Hey, hey.
Débarrasser de lui. Tu ne peux te donner la mort à cause de lui. Toi et ta sœur, vous êtes le seul que j'ai. Vous êtes très précieuse pour moi. Maman, je ne peux pas continuer à accepter cette honte. Je ne peux pas continuer de vivre dans cette parcelle avec eux. Maman, je dois partir. Je dois partir. Tu n'iras nulle part. C'est ça le but de Ezemoa et sa fille dans cette parcelle. Elles veulent nous frustrer comme pas possible. Nous mettre d'ailleurs pour qu'elles récupèrent tout. Ma chère, je ne les laisserai pas nous atteindre. Nemo, fais-moi confiance. Crois ta mère. Tout ira bien à son temps. Oh Nemo. Maman, je suis fatiguée. J'en peux plus. Allez, ça ira. Ça va aller. Je suis fatiguée. Maman, je suis calme-toi, ça va aller. Et tes apaisements. Calme-toi. Essuie tes larmes. Les dieux sont justes. Bimbo. Et Boubé, bonsoir à toi. Ah, s'il vous plaît, je vais acheter le pain et le lait. Ok. Enfin, j'ai tout mis ici. Ça coûte combien? 500 naira. Mais je n'ai pas besoin de l'argent. Je suis désolée, je ne pourrai pas partir sans payer pour ces choses. Non, je n'en veux pas. Paul, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attends, c'est évident. Pourquoi? Mais tu devrais être dans ta boutique maintenant. Exact, mais je me suis souvenu que tu m'avais dit que tu répondrais à ma demande aujourd'hui, alors... Oui, je m'en souviens. Mais aujourd'hui n'est pas encore fini. Je suis d'accord avec toi, mais vois-tu, mon corps est vraiment très excité, tu vois. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Non. C'est bon, je vais bien. T'es sûr? Oui. Mais je peux quand même te raccompagner. Je t'en prie. Hey. D'accord. D'accord. Alors allons-y dans ce cas. Il n'y a rien là où tu me montres. Alors? Bonsoir, tontine.
Bon après-midi. Paul m'a demandé de vous déposer cette lettre. Oh, qu'est-ce qu'il a écrit? Allez. Ah, si ça te plairait, nous pouvons sortir aujourd'hui. Et où est-il? Je suis là. Aucune parole de ce bas monde ne peut décrire l'amour que j'ai pour toi. Je t'aime. Bonjour. Bébé. Hey. Es-tu sûr que c'est tout ce que tu as trouvé pendant la semaine? Exact. Mon amour, c'est tout ce que Paul, j'ai... Paul, tu me mens? Ah, pourquoi te mentirais-je? Tout est absolument juste. Si je découvre que tu as déposé une part d'argent quelque part... Non, je ne peux pas faire une chose comme ça, non? Hein? Au lieu plutôt pour moi de penser à une telle chose, je préférerais d'ailleurs... Allez, tu sais, je pensais d'ailleurs que tu... Que tu me donneras un peu d'argent. Pourquoi? Non, c'est pour rien du tout. J'aimerais juste avoir un peu d'argent dans mes poches, c'est tout. Tu sais, je pourrais marcher dans la rue et casser les yeux de quelqu'un. Et tu sais, qui pourrait me demander de payer? Alors, tu comprends un peu, je suis un homme. Paul. Paul. Oui. Si je découvre que tu cours derrière les filles de ce village. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois quelle fille? Avec quel pouvoir? Que vais-je faire de toutes ces filles alors que je tais toi? Hein? Ok, si c'est ce que tu es en train de te dire, c'est pas grave. Garde l'argent. Non, s'il faut que tu me crois, je n'ai pas besoin d'argent. Non. Et je t'aime d'ailleurs que j'ai de l'argent ou pas. Paul. Non, garde l'argent, c'est pas grave. Paul. Chérie. Si je découvre. Hein? Si je découvre que tu cours derrière les filles de ces villages, tu me verras. J'ai pas envie de me bêtise. Chérie. Tu sais, quand tu marches, j'aime bien te regarder. Vas-y, remis-moi ça. J'aime bien ça, mon bébé. Hein, mon sucre. Chérie. Tu veux dire qu'il t'a donné tout cet argent? Oui, maman. En tout cas, c'est génial, oh. Hey, nos chers me marchent, oh. Oui, maman. Et tu sais quoi? J'ai une très bonne idée sur comment nous pouvons dépenser cet argent. T'es sûre? Oui, maman. Tu te rappelles de comment je te disais combien les boîtes de nuit sont excitantes? Oui, je me souviens. Tu me disais comment sont les boîtes de nuit, comment est-ce que les gens dansent. C'est ça, maman. Nous irons à la boîte de nuit et épuiser cet argent. Notre argent. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Très bien. Pouvons-nous aller cette nuit? Maman, tu es vraiment amusante. Maman, tu ne peux pas aller avec cet accoutrement dans la boîte de nuit. Tu veux dire que je ne peux pas aller là-bas comme ça? Non, maman. J'ai une idée. Je vais aller au marché pour te trouver quelque chose de sexy. Sexy? Ça veut dire que tu veux changer mon statut et je vais apparaître comme une jeune fille? Sexy, maman. Alors, je danserai dans la boîte de nuit? Oui, maman. Comme ça, nous allons épuiser cet argent. C'est génial. Notre argent. Tu sais quoi? Tu es vraiment une fille tellement intelligente. Oui, maman. Je l'ai eu pour toi, maman. La meilleure maman du monde. Gagner notre argent, oh maman. Parce que beaucoup d'argent viendra. Maman. Oh Dieu. 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 Oh c'est dur. Et c'est why tu ne connaîtras jamais de paix. Tu ne connaîtras jamais de paix, mon Dieu va te punir pour avoir ôté ma joie, pour avoir ravi mon fils unique. Dieu va te punir. Tu ne connaîtras jamais de paix pour avoir
ôté ma joie, mon bonheur, ma raison de vivre, mon fils unique, Paul. Ah! La nourriture, n'est-ce pas? Je l'ai préparée pour toi. Je sais que tu aimes ça beaucoup. Allez, il faut le finir. Mais j'ai juste essayé. Oh! Aussi? Maman! Oh, qu'est-ce maman! Qu'il y a? Je l'ai fait! Qu'est-ce j'ai réussi! Tu as fait quoi? J'ai réussi? Une admission pour aller étudier les droits internationaux, maman, à l'université. Laisse-moi voir. Maman, ça veut simplement dire qu'elle a reçu la lettre d'admission pour l'université et doit aller étudier les droits. Ma fille sera juriste. Oui. Et c'est moi, il n'aura plus rien à dire. Tu peux aimer. Merci, grande sœur. Merci, maman. Où est papa? Je dois rapidement lui informer. Immédiatement. Je dois lui parler de mon admission, oui, maman. Non. C'est une mauvaise idée. Tu ne vas pas le faire. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est? T'as-t-il dit qu'il n'était plus son père? Ou elle n'était plus de sa responsabilité? Maman, c'est clair que papa ne s'inquiète pas pour nous. Alors c'est quoi l'importance de lui dire tout ça? Il a été transformé en quelqu'un d'autre. Il ne te donnera pas un centime. C'est simple. Maman. Va le dire à ton père. Dis-lui la bonne nouvelle. D'accord, oui. Maman, je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. Je sais pourquoi je vous dis ça. Allez, Dieu est bon. J'aurai ma propre juriste. Mais maman, sérieusement, elle ne devrait pas aller dire ça à papa. Ce n'est pas nécessaire. C'est de sa responsabilité. Laisse-la faire. Mais c'est une bonne nouvelle qu'elle a eu son admission. J'aurai ma propre avocate. Maman d'une avocate. Je sais que tu vas propager la nouvelle partout dans le village. Je le dirai à tout le monde. Maman, aisez-moi. Maman, laisse Ezewan. Je ne la laisserai pas. Oui, je suis arrêt. Ma fille précieuse. Papa. Je suis fier de toi. Merci, papa. Je le savais. Je savais que tu allais être la première à me rendre fière. Oui. Donc, un jour, Okoro aura une fille avocate et internationale. Oui, papa. Je suis fier de toi, ma fille. Maintenant, écoute. Je veux faire tout ce qui est de mon pouvoir parce que je dois m'assurer que cette chose puisse être offerte. T'inquiète pas, je veux faire tout comme possible. Mais papa, si je ne voyage pas vite et faire ce qu'il faut, je risque de perdre cela. Ça n'arrivera pas. Tant que je suis en vie, tu ne vas pas les rater. Après demain, ça sera mieux, papa. Hein? Mais oui, vas-y, je t'écoute. Vas-y.
Combien tu veux? Il me faut 120 000 lire à papa. C'est juste ça. Considère que c'est déjà fait. Je vais te les donner demain. Tu veux? Merci, papa. Tu l'auras merci. Demain. Je suis fier de toi. Je te donnerai 1 500 000. Je vais te le donner demain. Ça, c'est ma fille. Néo, comment il a réussi? J'espère que ça s'est bien passé. Maman, papa a promis qu'il va me donner 120 000 lira pour les formalités. Tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Tu vois? Il a dit ça? Oui, bien sûr. Et Boubé? Maman, j'essaie justement de dire qu'on ne doit pas compter sur ce qu'elle a dit. C'est tout. Et Boubé, aie un peu de foi. Même un peu. Même une si petite. Tu en as je besoin. Je n'ai rien dit de mal. Néo. Maman. Notre propre avocate. Maman. Non, et je vais voir. Et c'est moi, maman, il n'aura plus rien chérie. À dire. On t'appelle maintenant avocate. Et pourquoi pas? Ça me va bien. Elle est déjà avocate. Tu ne peux pas me dire ça. Parce que j'ai l'oreille. Je suis au courant que tu as reçu l'argent quelques jours passés. Oui, j'avais reçu quelques sommes d'argent. Et cette somme, je vais l'utiliser pour payer les frais scolaires de Osima. Et qui est Osinachi? Qui est Osinachi? Cette Osinachi est plus importante que mes droits? Ah! Osina, elle est... Elle n'est pas ta fille. Maintenant, écoute-moi. Je dois payer ses frais scolaires et je veux le faire, je t'ai dit. Ah! J'avais promis à Osinachi que je vais payer tous ses frais scolaires. Encore. Quoi? Hein? Regarde-moi. D'accord. Regarde-moi. D'accord, je te regarde. Hein? Au Guinée. Maintenant, va me prendre tout cet argent que tu as gardé immédiatement. Hein? Où est-ce que je l'avais mis au... Ah oui, je me souviens où je l'avais mis. J'ai dit bien les tout. Tout? Je vais te le donner. Assis-toi, assis-toi. Assis-toi. Hein? Va et prends-moi cet argent. N'importe quoi. Papa, bonjour. Sonachi, bonjour. Papa, je suis venu prendre l'argent que tu m'avais promis. Sonachi, écoute. Papa. Tu dois juste me donner un peu de temps. Hein? Juste un peu de temps, je te donnerai l'argent. Qu'est-ce que tu es en train de dire, papa? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois... Je pensais que j'avais cet argent. Mais la vérité est que j'en ai pas maintenant. Mais je vais faire de mon mieux pour te donner l'argent. Mais tu me l'avais promis, papa. Pourquoi as-tu soudainement changé d'avis, papa? Dis-moi, pourquoi? Nachi, tu ne dois pas pleurer. Je n'ai pas dit que je ne vais pas te donner l'argent. Juste donne-moi un peu de temps, s'il te plaît. Bien sûr que tu ne vas pas me les donner, papa. Et Boubé avait raison. Merci beaucoup, papa. Merci. Thank you.
pendant combien de temps que tu continueras à pleurer? Tu es toujours ici. Je veux dire, tu pleures depuis le matin et tu n'as rien mangé du tout. J'ai besoin d'argent, grande sœur. Il me faut payer les frais à l'université. Et je ne vois en aucun cas tes larmes se transformer en argent. Que veux-tu que je fasse exactement? Que veux-tu? Sais-tu combien de fois je priais, je demandais à Dieu pour qu'il me donne cette opportunité, les études? Et maintenant... Écoute, écoute-moi bien. Écoute-moi. Les dieux qui t'ont donné cette opportunité, ils te donneront aussi l'argent pour aller à l'école. Hein? Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, ça suffit. J'ai besoin d'aller à l'université. J'ai besoin d'étudier. Écoute. Tu iras à l'école, ok? Amen. Amen. Et maintenant, montre-moi ton sourire. Montre-moi un sourire d'une fille qui rentrera à l'école. Ça suffit. S'il te plaît, arrête de pleurer. Viens là. Allez, Osinachi, cesse de pleurer. Mange ta nourriture. Maman, j'ai pas besoin de manger. J'ai pas du tout faim. Arrête de pleurer. Tout ira bien. On est. Et Boubé? Non. Osinachi, tu continues de pleurer? Mais vraiment. Il est temps pour toi d'arrêter de te tourmenter toi-même. Allez, tiens. Voilà, je savais mille avec moi. Jésus, grande sœur, c'est pour moi? Oui. Maman, maman, grande sœur, merci. Merci infiniment, okay, merci suffit. Beaucoup, je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime beaucoup. Que mon Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Osinachi, viens finir ta nourriture. Viens manger. Maman, laisse-la. Je la suis. Allez, approche. Ton action m'a beaucoup étonnée. Merci de nous enlever cet opprobre. Maman, elle le mérite. Je sais. Approche. Merci encore une fois de plus. Elle est ma sœur. Et si je ne le fais pas, tu le feras pour elle. Hein? Mais attends, où est-ce que tu as eu cet argent? Je crois que tu n'as pas fait quelque chose d'horrible. Non, pas du tout. J'avais un petit rien dans mon compte. J'ai juste tout vidé pour qu'elle parte à l'école. Merci beaucoup, ma fille. Maman, tu me sens très fort. Laisse-moi aller les voir. Onoma. Ah, et Boubé. Mais je vous ai vu partir avec des sacs. D'où vous venez?
peu importe. Où est Osinachi? Tu n'as vraiment pas honte de nous poser cette question? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Maman. Azuka. Oui, maman. Hey! Comment tu peux être si stupide de permettre que cela t'arrive après tout ce que j'ai déjà appris? Non, maman, je ne sais pas comment cela est arrivé. Oh. Je n'avais pas pensé à cela. Il était tous les soirs dans ma chambre, maman. Ferme ta bouche, idiote! Et c'est vraiment trop facile pour toi de permettre à ces stupides garçons de te mettre enceinte? Écoute, laisse-moi te dire. Paul, ou peu importe comment on l'appelle, il n'est pas dans le même niveau avec les hommes que je réservais pour ma fille. Ma seule fille, s'il te plaît, dépêche-toi, va dans ta chambre. Change-moi tes habits parce qu'on va aller à l'hôpital. Tu vas l'avorter, cette chose qui est dans ton ventre. Tu te trompes. Hazy Wine, tu te trompes. Personne ne va faire l'avortement sous ma descendance. Et toi, Azuka, si tu essayes, tu mourras. Hey, papa! Hey! Tu es en train de maudire ma propre fille? Oui, elle avait cherché. Celui qui est dans la brousse et il essaye d'allumer le bois de chauffage, il doit s'attendre au résultat. J'ai déjà parlé. Ah, osez seulement et vous verrez. Viens là, ma fille. Écoute, Azuka. Hein, maman? Je pense que tu ne vas pas craindre les paroles que ton père vient de sortir. Il est juste un tonneau vide. Hein? Va à l'intérieur, change-toi. On va l'avorter, cette chose que tu portes. Hein? Non, 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 maman, non, je ne vais pas mourir. Je n'irai nulle part. Oh, mais tu vas tuer emporté par les paroles de ton père, hein? Je n'irai nulle part. Attends, oh, qu'est-ce que tu veux dire? Que tu iras nulle part? Azuka, tu viens de dire que tu iras nulle part? Tu iras nulle part. Oui, donc, maman. Tu veux garder cette chose en toi? Oui, maman. Tu veux garder ça? Azuka, tu fais. Alors avance, garde-le. On verra ce que ça donnera. Idiote. J'ai dit, vas-y, garde cet enfant. Garde-le. Garde-les. Tu viendras à l'intérieur et me raconterai. Hein? Tu viendras là-dedans et me raconterai. Garde-les! Idiote! Une fille stupide! Après tout ce que j'ai enduré pour toi, on verra bien. Pourquoi as-tu pris du temps pour me répondre? Non, c'est juste que j'étais occupé. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare un truc que tu m'as demandé, non? L'igname ainsi que Laura. Laura se trouve actuellement sur le feu et je suis en toi, train de... Toi, tu es idiot. Je n'ai pas demandé ce que tu dis. Je demandais du riz pimenté. Du riz pimenté? Non, 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 tu ne m'as pas demandé du riz pimenté. Ah, prends ceci déposé par terre. Comme je le disais, tu n'as pas demandé du riz pimenté, tu as demandé l'igname pilé ainsi que la soupe d'ora que je prépare. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maintenant quitte cet endroit et sois sûr que tu me feras les riz pimentés. Du riz pimenté, ok. Mais je t'en prie, je n'aime pas que tu te mettes à beaucoup crier. Tu sais que tu es enceinte, hein? Pourquoi ne devrais-je pas crier? Comment ne pas crier? Pendant que tu le faisais toutes les nuits, tu ne savais pas que ça finirait par ça?
Je t'en prie, ne te fâche pas. Je t'en prie, encore une chose. Tu vois, je sais que les piments n'est pas bien pour des femmes enceintes. Paul! Paul! Tu me déranges! Quitte-la! Je vais tout de suite. Quitte-la! Je vais tout de suite. Quitte-la! Je trouve ça. Du riz pimenté. Mon fils, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je dois aller voir un docteur. Je ne me sens pas bien. Pitié, aide-moi. Aide-moi, mon fils. Je ne sais même pas ce que tu veux que je dise. Au fait, pour dire vrai, je ne sais pas de quelle manière je dois te le dire exactement. Que je n'ai pas d'argent. Comment veux-tu que je te fasse comprendre que je n'ai pas d'argent? Les temps sont vraiment difficiles. Hein? Je n'ai pas d'argent actuellement. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, mon fils. Pitié, aide ta mère. Ne me rejette pas. Je suis très malade, je suis en train de mourir. Aide ta mère. Pitié, fais quelque chose, pitié. Non, non, c'est ce que je n'aime pas. Personne. Ça, c'est ce que je n'aime pas. Non. Ok, tu sais quoi? Va-t'en. Quelque chose. Je t'en prie, pars de ma boutique. Quand j'aurai de l'argent, je t'en donnerai. Va-t'en. Allez, pitié. Va-t'en, non. Allez, va-t'en. Non. Lève-toi. Pitié. Lève-toi. Debout, s'il te plaît, debout. Tu risques de tomber, oh, lève-toi. Pitié, je t'en prie. Allez, lève-toi. Pitié. Non, c'est pas comme si je te chassais, je ne fais que te bouger un peu. Ne me chasse pas. Tu comprends ça? Vas-y, avance. Je t'en prie, ne me chasse pas. Je ne sais pas renvoyer mon fils. Pitié, non. Je suis très malade, mon fils. Je n'ai pas d'argent, pars. Ne me chasse pas, aide-moi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleurez-vous? Ma fille, qu'est-ce que je fais de mal? À qu'est-ce que j'ai offensé? Quel mal ai-je fait? Maman, vous avez offensé personne. Cela a un lien avec Paul? Oui. Je suis très malade, ma fille. Je suis allée à la boutique de Paul. Je dois aller à l'hôpital. Alors, j'étais allée chez Paul pour qu'il me donne l'argent que j'aille voir un médecin. Il ne m'a même pas écouté. Il m'a chassé en disant qu'il n'a pas d'argent. Il vous a vraiment dit ça? Oui. Maman, c'est bon. Arrêtez de pleurer. Je veux m'assurer que vous ayez l'argent pour votre traitement, ok? Oh, merci. Allons-y à la maison. Merci beaucoup, ma fille. À la maison. Merci infiniment, que Dieu te bénisse. Combien t'en veux? Donnez-en deux au gars. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je te dois plus rien du tout. Il n'y a aucun problème. Paul, comment peux-tu oser? Comment tu peux faire ça à ta propre mère? Je veux dire, c'est le diable lui-même qui habite maintenant en toi. Paul, dis à ce diable de partir pour qu'il arrête de te tourmenter. Paul, tu as besoin qu'on t'aide. Mon ami, arrête-toi là, je n'ai pas besoin d'aide. Je vais bien, laisse-moi seul. Tu ne vas pas bien? Tu vas bien, oui, mais tu as abandonné ta mère qui souffre avec la maladie. Qu'est-ce qui te prend au juste? Réalises-tu que je suis un homme marié?
et que j'ai mes propres responsabilités. Oh! Donc, ta mère ne plie ta responsabilité? Paul, écoute-moi, il s'agit de ta mère dont on parle. Va-t'en d'ici avant que je te gifle. C'est quoi ça? Oh, ma chérie! Que fait-elle ici? Je crois qu'elle est de passage. Mais cela n'est pas un problème, elle partait déjà avant que tu n'arrives. De toutes les façons, donne-moi juste l'argent. Je dois aller au marché acheter quelque chose pour mon précieux bébé. Hmm? Fais juste attention. Fais attention. Oui, ma reine. Et toi? Faites place à la reine. Fion. Attention, la reine est là, mon bébé chéri. Le ciel et la terre. Le soleil, le vent et le ciel, les sables et la nature elle-même ne sera pas témoin de vous. Si quelque chose de mal arrive à ta mère. Paul. Le vent. Le sable, la nature, tu es malade. Adam, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas touché à ta nourriture. J'espère que tout va bien. Maman, comment serais-je heureuse, maman? As-tu oublié comment je l'ai eu, maman? Et je suis encore tombée enceinte. Comment peux-je être heureuse pendant que l'enfant que je porte refuse de sortir au monde, maman? C'est bon, ma fille. Oh, ça suffit. Mais tu sais que je sais comment tu te sens. Non, maman, tu ne sais pas ce que je ressens. As-tu déjà gardé la grossesse pendant 11 mois avant? Comment saurais-tu ce que je ressens, maman? Comment? Ok, c'est bon. C'est quelque chose que je peux régler. Oh? Maman, fais-le rapidement. Oh, je suis en train de les perdre. Je vais le faire. Maman, je suis en train de le perdre. Baisse les dents, s'il te plaît. S'il te plaît, baisse les dents. Nos ennemis, c'est moi qui rends des maman. Hein? Maman, c'est bon, je suis en train de le perdre. Hé, allez, prends cette nourriture, mange. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. La nourriture n'est pas mon problème, maman. La nourriture n'est pas mon problème. Laisse-moi tranquille. Ah. Maman, je vous ai apporté la nourriture pour que vous preniez vos médicaments. Ma fille, que Dieu te bénisse, ma fille, abondamment, pour être si gentil envers moi. La gentillesse, le bonheur t'accompagnera toute ta vie. Amen. Ma fille. Maman. Regarde-moi. J'ai
je suis malade. Très malade. Dans l'état où je me trouve. Tout le monde m'a abandonné. Mais mon propre fils. Mais mon propre fils. Oui. Oui. Un enfant que je portais dans mon ventre durant 9 mois m'a abandonné. Un enfant que j'ai risqué la mort pour lui m'a abandonné. Paul. Maman, s'il vous plaît, ça va aller. Vous allez vous en sortir, ok? Maman, cessez de pleurer. Peu importe ce qui est arrivé, je ne vous laisserai jamais. Je serai toujours là pour vous. Je veux d'abord que vous mangez cette nourriture et buviez ce médicament pour que vous ayez mieux. Maman, arrêtez de pleurer. Paul, pourquoi? Maman. Paul, pourquoi? Maman. Pourquoi? Maman, s'il vous plaît, ça suffit, c'est bon. Arrêtez de pleurer. Buvez un peu d'eau, s'il vous plaît. Buvez un peu d'eau. Oh. Maman, s'il vous plaît, buvez juste un peu d'eau. Oh. Maman, prenez un peu d'eau, s'il vous plaît. Buvez juste un peu. Eboubé. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi appelles-tu son nom ici? Je l'ignore. N'ose plus faire mention de ses noms dans cette maison. Tu me comprends? Très bien. Et retourne dans ton sommeil. Je suis vraiment désolé. Ça va aller. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout, je ne faisais que l'aider, elle était tombée. Au fait... Pourquoi? Pour faire quoi? A-t-elle demandé ton aide? Non. Va à l'intérieur. J'ai dit va à l'intérieur. Va à l'intérieur. Bêtise. Et toi? Toi? Mes yeux sont sur toi.
Fais attention. Bêtise. Azuka, s'il te plaît, arrête de te tourmenter. Tu es une femme enceinte. Arrête de stresser ton enfant dans ton ventre. Hein? Maman, je ne vais pas m'asseoir. Les choses ne vont pas bien en tout, maman. Je pense que Paul a commencé à réaliser maintenant, maman. Comment? Maman, juste la nuit dernière, oh, il s'est réveillé au milieu de la nuit en train de crier les noms des boubés. Et juste ce matin, quand elle était tombée, il a aidé à se relever. Maman, je pense que Paul a commencé à se remettre en soi-même. Calme-toi. Arrête avec ces propos de se calmer. Maman, nous devons trouver une solution. Maman, fais quelque chose. Je ne vais pas surtout le perdre. Je me réjouis de tout ce que je reçois de lui. Maman, fais quelque chose, maman. Hey! Tu ne vas pas le perdre. Tu ne vas pas le perdre. Okay. Maman, je ne vais pas le perdre. Je vais vraiment faire quelque maman, chose. Maman, fais quelque chose. Maman, nous devons trouver une solution. C'est bon. Je vais vraiment faire quelque chose dès que possible. Fais quelque chose, maman. Crois-moi. Fais quelque chose. Tu ne vas pas perdre, Paul. Tu ne vas pas le perdre. Il t'appartient. Grande sage. Tout ce que je fais, c'est comme si ça ne marche plus. Le fétiche n'est plus efficace comme ça devrait être. Tous les gens qui sont sous mes charmes commencent à prendre conscience. Le pire est que ma fille doit accoucher. Mais l'enfant refuse de sortir après 11 bonnes années. Grande sage, hein? Je suis confuse. S'il vous plaît, aidez-moi. As-tu apporté les éléments du sacrifice? Oui, je l'ai. J'en ai ici. Dépose-les ici. Je rendrai le charme plus fort. Plus fort. Très fort. C'est comme ça qu'ils vont rester à ta merci jusqu'à ce que tu te décides de le rendre libre. Merci. Et à ce qui concerne ta fille, elle va accoucher au moment propice. A-t-on voulu? Merci, grande sage. Quand est-ce qu'elle est en vous? Tu ne questionnes pas le Dieu. Tu ne peux questionner le Dieu.
Asuka, qu'est-ce que je fais ici avec toi? Paul, tu vas bien? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Soulève-moi ça et allons-y. Idiot! Es-tu malade? Comment tu m'appelles un idiot? C'est quel sac de merde que tu me demandes de ramasser? Ah. Et toi, Paul, reviens ici! Es-tu malade? Hey! Allez-o! Allez-o! Allez! Hey, aidez-moi! Madame, qu'est-ce qui se passe? Hey, madame, doucement. Désolé, ça va. Aidez-moi! Mon ventre! Désolé, madame. Je suis désolé. Je t'en prie, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'avais vraiment pas tous mes sens. Écoute, je t'en supplie au nom de Dieu. Pardonne-moi. Paul, sors de cette parcelle. Je ne veux plus jamais te voir dans ma vie. Et Boubé, je ne partirai pas jusqu'à ce que tu me pardonnes. Boubé, écoute-moi au moins, je t'en prie. Tu ne me dois pas tes excuses. Si tu es une personne dont tu as besoin qu'elle te pardonne, c'est ta mère, pas moi. Sors de cette parcelle, Paul. Ok, d'accord, j'irai voir ma mère, mais je t'en prie, pardonne-moi d'abord. Paul! Paul, dégage de cette parcelle avant que j'utilise ça pour te tuer. Boubé, je t'en prie, ne va pas là, s'il te plaît. Dégage d'ici! Maman, je t'en prie. Je suis désolé. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je t'en prie, pardonne-moi. Je ne sais vraiment pas ce qui m'avait pris. Je t'en prie. Maman, je t'en prie, pardonne-moi. Je ne savais vraiment pas ce que j'étais en train de faire. Je suis désolé, maman. Oh.
Je t'en prie. Maman, je te supplie au nom de Dieu, je t'en prie. C'était pas de ma faute. Je ne savais pas ce qui m'avait pris. Je t'en prie. Le Dieu de notre terre. Hey. Je t'en prie, pardonne-moi. Je te pardonne, mon fils, je te pardonne. Je savais bien que tu n'étais pas conscient. J'avais demandé au Dieu de notre terre de te ramener vers moi. Et ils l'ont fait. Mon retour à la maison, mon fils. Allô? Y a quelqu'un? Knock, knock. Qui est là? Bienvenue. Bon après-midi, madame. Bon après-midi. Et qui êtes-vous? Je suis du département administratif de l'hôpital Messi. Comment puis-je vous aider? Nous cherchons l'adresse de madame Azuka Okoro. Azuka Okoro? Oui, madame. Tu cherches Azuka Okoro? Oui, elle est ma fille. Où est-elle? Elle a accouché? Non, madame. Elle est en souffrance d'accouchement. Et elle est amenée à l'hôpital. Cette grave maladie? Oui, madame. Et où est-elle maintenant? Elle est à l'hôpital, madame. Maintenant que je vous parle, elle est dans un état critique. Et votre présence est urgemment voulue. S'il vous plaît, donne-moi juste quelques secondes. Oh, je serai là bientôt. Tineke, comment elle peut arriver jusque-là? C'est pas normal. Thank you.
Il y a quelqu'un? Ça, c'est la voix de qui? Il y a quelqu'un? Hey! Oh, maman! Ma fille! Sois la grande sœur. Bon après-midi, bienvenue. Bienvenue. Merci. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec ma sœur? Ma chère, c'est Paul. Oh. Paul? Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'il a encore fait? Il traumatise sa vie. Il ne veut pas la laisser. Il la suit partout. Il ne la laisse pas tranquille. Ça ne m'étonne pas du tout. Maman, je vous apporte une bonne nouvelle. Allez, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Ne reste pas debout. Attends, je ne t'ai même pas demandé quand tu es venue. As-tu fait quelque chose de mal à l'université? Maman, je n'ai rien fait. Je n'ai plus le droit d'y rentrer à la maison. Ou soit je ne fais plus partie de cette famille. Hein? Oh non, ce n'est pas ça. Désolée. Ok. Maman, j'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Partage-la, nous. J'ai gagné le visa loterie des États-Unis. C'est génial! Allez, vous si je prends maman, je ne fais que crier. Je ne comprends rien. Te dérange pas, ma soeur. Maman, attends, je t'explique. Ça veut dire que j'ai gagné l'opportunité d'aller étudier et vivre aux États-Unis d'Amérique comme une Américaine, maman. Attends, attends, maman. S'il te plaît, je n'ai pas fini. Viens t'asseoir. Il n'y a pas que ça. J'ai aussi le droit de voyager avec ma famille. En Amérique? Oui. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Non. Au Sinati. Nous allons voyager, c'est vrai. Je suis le roi dans mon royaume. Naï, venez voir votre fils. Oh. Naï, venez voir votre venez fils. Venez voir votre fils. Oh. C'est vraiment horrible. Elle est où, Ezewai? Hé, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis le roi. Vous voyez? Hein? Je le savais. Je le savais. Hé, hey, Féanie, qu'est-ce qui t'avait arrivé, mon frère? Tu vois, j'étais avec Tupac. Hey. Tu vois, Tupac, c'est mon ami. Hey. J'étais avec lui. Des hommes l'ont jeté au croisement et se sont enfuis. Jeté, tu dis? Exact. Oui, monsieur. D'accord. Merci. Salut, mon gars. Hey. Ferme ta bouche et assis-toi. Tu veux que je m'asseye là-bas? Alors, je vais aller m'asseoir. Je vais aller m'asseoir. Yes, t'es avec Tupac. Il n'y a aucun ennemi. Il n'y a aucun ennemi. Où est Ozymane? Où est votre mère? C'est ça le résultat. Quand ton frère était brusquement disparu dans tout le village pour aller voler prendre les histoires d'autrui. C'est ça le résultat. Où est Zewagne? Elle vient prendre son fils. Hey, papa, pourquoi tu dis ça, papa? Il est ton seul fils. Ça, ce n'est pas mon fils. Hey, papa, il est ce n'est pas mon fils. Oh. Tu vas la fermer, ce n'est pas mon fils. Je le savais. Je savais que tu allais devenir fou. Hey, papa. Un fou. Papa, où vas-tu? Grande sœur, tu ne peux pas continuer comme ça. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Tu essaies juste de me dire que je dois oublier tout ce qu'il m'a fait et lui revenir? C'est ce que tu veux dire? Je sais que tu as mal. Mais tu dois lui pardonner. Même si vous n'allez pas vous remettre ensemble. Pourquoi? Parce que tu dois te libérer de ces problèmes, ma sœur. Oui. Écoute-moi aussi, Nachi. Paul m'a beaucoup humilié. Et il n'y a rien qu'il puisse faire, rien du tout, qui fera en sorte que je le pardonne. S'il te plaît, je t'en prie, ma fille. Trouve une place dans ton cœur pour pardonner mon fils.
J'ai besoin de ton pardon pour que mon fils me revienne. Depuis qu'il a réalisé ce qu'il avait fait, il ne mange plus. Il ne fait que prononcer ton nom à tout moment. Pitié, ma fille. Paul n'est resté que l'ombre de lui-même. Je t'en prie, pardonne-lui. Pitié, ma fille. Pitié. Pitié, ma fille, regarde-moi. Allez, regarde-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de mon fils. J'ai besoin qu'il me revienne. Pitié, je vais mourir. Pardonne-lui. Fais-le pour moi. C'est bon, maman. Levez-vous. Merci. 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 Poupée, j'ignorais que tu allais venir. Ça blesse tellement de voir que la personne que tu aimes puisse être éloignée de toi. La façon dont il t'avait éloignée de moi. Jour après jour, j'ai croyé que j'étais perdue pour l'éternité. Et maintenant, te voilà devant moi. Entre le mains de ma méchante demi-sœur. Je croyais que l'amour qu'on partageait était si fort pour faire la guerre contre eux. Mais ça n'a pas été le cas. Ce qu'elles avaient mis en toi était si fort que c'est qu'on partageait. Et je me suis demandé qu'est-ce qui peut être plus puissant, plus forte que l'amour. Paul, je t'ai pardonné. Tu...
Vous écoutez, Yakuza Makasata. Noma. Noma. Et poupée. Et poupée. Osinachi. Osinachi. Vous ne pouvez pas vous réjouir dans votre vie. Vous ne pouvez pas avoir la lumière dans votre famille. Rien de bon peut arriver dans votre maison. Les ténèbres doivent couvrir votre destinée. Hey! Jésus-Christ! Ezewa, c'est bien toi? Hey! Hey! C'est ce que tu as l'habitude de faire. Ferme ta bouche. Les gens doivent le voir. Hey, non, les gens non, doivent l'entendre. S'il te plaît, Noma, hey! Noma, ne fais pas ça. Noma, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai beaucoup fait de mal. Ah, s'il vous plaît, je vais tout dire. Parle, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. J'étais tellement jalouse de Noma, ma co-épouse, que je l'avais mordu au cou. Hey, oh. Hey. Cette femme est une sorcière. C'est vraiment une sorcière. J'ai même envoûté mon mari. J'ai obligé mon mari à obéir à tous mes commandements. Hey. Il avait épousé Noma. Il aimait seulement Noma. Alors je devenais jalouse. Je l'ai envoûté. J'ai pris tout son argent. Et il croyait tout ce que je lui disais. Notre présidente de femme, elle se faisait montrer à tout moment qu'on venait dans une réunion. Alors je l'ai rendue aveugle. Je l'ai rendue aveugle, je l'ai même tuée. C'est moi qui ai fait que Okoro tombe du palmier et meurt parce qu'il voulait te taire. Mais la terre ne me concerne pas. Franchement, quand il s'est battu pour la terre, il m'avait pointé le doigt. Incroyable. Alors je l'avais tué. Mon Dieu. James. James, s'il te plaît, pardonne-moi. J'étais celle qui a... Qui fait en sorte que tu voles au marché? Aro. Je savais que tout ce que tu disais était vrai. Mais je voulais que tout le monde croie que j'avais raison. Alors j'étais envoûtée. J'ai volé au marché pour recevoir la condamnation et l'humiliation. Edouane, donc tu es la raison pour laquelle je suis un objet de moquerie dans ce village. Je vais Paul n'a jamais aimé ma fille. Ma fille et moi.
On l'avait fait juste pour qu'il devienne notre esclave. Hey, encore, tout son argent. C'est pas possible. Pardonnez-moi, ce n'est pas possible. Elle ne mérite pas de vivre. Nous devons tuer cette femme. Nous devons la tuer. Elle est sa meurtrière. Elle est une sorcière. Tu mérites la mort. On va te tuer aujourd'hui. Tu dois mourir. Elle n'ira pas en prison. On va la tuer. On doit la tuer cette femme. Calmez-vous. Elle doit mourir. Calmez-vous. Je peux sentir l'amertume que chacun de nous éprouve en ce moment. À cause de ce que cette Eziwani nous a fait à tous. Mais s'il vous plaît, je vous supplie mon peuple. Nous ne pouvons pas rendre justice nous-mêmes. Alors voici ce que nous allons faire. Je suggère que nous la remettions entre les mains de la police. Non, nous devons la tuer. Nous devons la tuer nous-mêmes. On doit l'enterrer devant. On va l'enterrer. Elle doit mourir. Je vous prie, écoutez. Vous les jeunes tels que vous êtes l'avenir de demain. Hein? Ce que Nziobi est en train de dire est que nous n'avons pas le droit de la tuer nous-mêmes. Tant que nous l'avons pas emmené à la police. Mais je suggère, emprisonnons-la à notre propre manière et attendons le roi qu'il revienne de son voyage. Elle doit mourir, cette femme. Méchante femme, sorcière, méchante. Mon mari, s'il te plaît. Elle doit mourir. Qu'est-ce qui peut vraiment décrire mon bonheur? Mes filles, je sais que je n'étais pas vraiment un bon père. Tout ce que j'espère est de rentrer en arrière et de tout arranger. Mais vous devrez quitter cette terre pour votre vie. Bien. Je veux qu'on reste à bon terme et on oublie tout. Merci, papa. Peu importe ce que tu as fait, papa, tu demeures notre père. On a fait compris ce qui était derrière tes agissements et tes actions. Et maintenant que tout ça est derrière nous, j'espère sincèrement que tu prendras soin de maman. Oui, je le ferai. Je le ferai. Je vous le promets. Ce gros sachet-là, n'est-ce pas, c'est ça? Oui, j'en veux deux. Ok. Ma cliente à moi. Est-ce qu'il y a d'autres modèles de chips? Oui, il y a d'autres modèles aussi. Tu en veux? Hein? Exact. Donne-moi un. Je vais te donner... Donne-moi celui là-haut. Je sélectionne pour toi, t'en fais pas, je vais te donner le meilleur. Donne-moi juste ça. Quand tu iras acheter d'autres. T'en fais pas, non? Comment ça va, mec? Paul! Sérieux? Donc tu es encore là? Ça veut dire quoi, tu es encore là? Où veux-tu que je sois, n'est-ce pas ma boutique? Je t'en prie, je suis pas prêt pour tes insultes, comme tu peux voir, j'ai une cliente. Tu es censé aller accompagner ta petite amie, et tu es encore là? Allez accompagner ma petite amie. Est-elle perdue? Et pour aller où? Oh, donc c'est à moi de te dire que ta petite amie est en train de voyager pour l'Amérique. Amérique? Hey, donne-moi le reste d'argent. Comment? Es-tu sérieux? C'est à moi que tu demandes. Mais donne-moi comme ça, vous allez continuer à parler. Es-tu sérieux? Ta petite amie est en train de voyager pour l'Amérique. Mais Paul, tu ne vas plus prendre de l'argent? Je vais partir, non? Madame, garde cet argent, garde cet argent, garde bien. Paul, viens prendre ton argent, non, à cause d'une copine. Je vous le promets. Vous allez beaucoup me manquer. Ah. Maman, tu vas aussi nous manquer. Oh. Passez un bon voyage, mes enfants, que le Seigneur vous accompagne. Oh, c'est bien. C'est bien comme ça. Tu vas également nous manquer. Mais maman, pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Non.
C'est ici où j'appartiens. Je ne veux plus qu'une autre femme vienne me ravir mon mari. Maman! Oh, papa, au que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, mes filles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bam, 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 bam. Bien, quoi? Allez. Oh, merci, papa. Faites attention. Oh, allons-y. Oui. Faites attention, oh, soyez sage. Oh, maman, oui. Maman, nous prudente. Oui. J'ai entendu, maman. Oh, ne pleure pas, non? Bye bye. Bye. Au revoir. Au revoir. Bye. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.